Oui, alors merci d'abord effectivement à Frédéric et à Eugénia pour cette invitation, puisque c'est leur séminaire international, donc elles me font plutôt l'honneur de participer à leur séminaire. Donc j'en suis absolument ravi. Et puis ça évoque aussi c'est assez drôle parce que donc dans cet échange franco-mexicain, est un rebond inattendu à beaucoup d'années de distance, puisque en fait l'origine de mon livre sur le genre biographique que rappelait Frédéric, le pari biographique Écrire une vie, est née en fait d'un séminaire que j'ai donné à Mexico, à Libero Americana, et qui a été publié d'ailleurs dans une version sous un autre titre, une version assez proche, hein, mais au départ c'était effectivement l'idée d'un séminaire à Mexico et puis d'un livre pour Libero qui s'est transformé ensuite en livre pour les Français dans ma langue natale. Et donc, effectivement, c'est pour moi assez émouvant de retrouver cet échange franco-mexicain, d'autant que la première fois que j'ai traversé l'Atlantique, il y a très longtemps, en 1991, eh bien, c'était pour une invitation qui m'avait été faite de conférence à l'UNAM. Donc, là aussi, ça me ramène à Mexico où je suis allé plusieurs fois. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va aborder un point, et je compte surtout sur l'échange avec vous, sur la question de la biographie qui ne vous est évidemment pas inconnue et indifférente. L'idée aujourd'hui, c'est de poser la question de la vérité, c'est-à-dire en quoi, effectivement, la biographie a un rapport à la vérité. Peut-on dire la vérité? Peut-on dire le vrai dans la biographie? Et comme le rappelait effectivement Frédéric, il se trouve que, outre la mise en perspective historique qu'a été mon livre, Le Pari biographique, j'ai été un praticien de la biographie, ce qui n'était pas inscrit au départ dans mon itinéraire. Je ne le pensais pas, parce que, comme vous le savez, le genre biographique était un genre extrêmement mal vu, c'était un sous-genre. Pour reprendre les termes de Nora et Le Goff dans Faire de l'Histoire, c'était le genre des plumitifs de l'historiette. Hein, donc, effectivement, ce n'était pas particulièrement relevé que de s'occuper de biographie. Les choses ont bien changé et c'est vrai que, et on y reviendra plus tard dans la discussion, j'ai été donc un praticien de la biographie de Ricoeur, de Deleuze, de Guattari, de Vidal-Naquet, de Certeau, etc. Et manifestement, j'ai le virus. J'ai eu le virus, le corona, évidemment, comme tout le monde, mais j'ai aussi le virus biographique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis engagé dans une énorme biographie là, dans laquelle j'ai plongé en apnée. Qui est une biographie de Michel Serres et qui est effectivement une lourde tâche. Alors, je vais diviser mon exposé en montrant d'abord, en historisant un petit peu, chose que vous connaissez, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous, historiser un peu le rapport à la vérité dans le domaine biographique. C'est-à-dire qu'effectivement, entre le modèle plutarchien et aujourd'hui, la question du vrai a bougé à propos de la biographie. Et puis, dans un deuxième temps, je m'interrogerai pour savoir qu'est-ce que la vérité pour une biographie, quel type de vérité. Alors, en effet, la question est délicate parce que le genre biographique a évolué, donc dire la biographie peut-elle dire la vérité est à décomposer, est à déconstruire, nous dirait, je sais pas, Jacques Derrida. Donc parce que le genre biographique n'a pas toujours été le même entre l'Antiquité et aujourd'hui, et puis parce que la question de la vérité, on peut se demander si il ne faut pas la découpler. Question que je pose d'emblée, on y reviendra tout au long de l'exposé,
découpler la question de la vérité entre ce que peut être la vérité factuelle pour une biographie et ce que peut être ce que j'appelle la vérité tensive pour une biographie. Et en effet, on a là une question qui est posée. Est-ce que la biographie répond aux fameux critères popériens de la réfutabilité ou de la non-réfutabilité de ce qui est avancé par le biographe? Alors, d'abord, donc, l'historisation du modèle de véridicité entre le modèle plutarquien et aujourd'hui, manifestement, le modèle biographique a terriblement bougé. Alors, il a terriblement bougé puisque quand Plutarque se lance dans ce que vous connaissez tous, qui sont les vies parallèles, les vies des hommes illustres, eh bien, il prend soin de dire, et je le cite ici, nous n'écrivons pas des histoires, mais des vies. Et donc, il fait la différenciation entre ce qu'est l'histoire et ce à quoi elle répond, hein, comme nécessité impérieuse, et puis écrire des vies, ce qui est le domaine de Plutarque. Il va écrire des vies parallèles, et donc il ne va pas faire de l'histoire. Il ne va pas faire de l'histoire, et en effet, si vous voulez, là, il découple donc l'histoire qui, effectivement, relèverait de la vérité. C'est un peu le contrat de vérité qui est au cœur de l'opération historiographique telle qu'un Thucydide l'a définie par rapport au légendaire, par rapport à Homère, par rapport à la mythologie, par rapport à la poésie des Aèdes, et d'autre part, la biographie qui relève du régime, non pas du vrai, mais des vertus. Donc, la biographie, c'est un discours plus proche de la philosophie, dans la mesure où il s'agit de transmettre une certaine forme de sagesse, et je dirais de sagesse pratique, hein, dans l'histoire. Alors, à ce moment-là, dans le modèle plutarquien, ce qui va être mis en place, c'est l'ambition d'identification du lecteur, l'historia magistrae, donc on va mettre en place un simulacre de vérité, un simulacre de réalité, mais ce qui compte fondamentalement dans le discours plutarquien, mais qu'on retrouvera chez Cicéron évidemment, c'est de convaincre, c'est un discours de conviction. C'est un discours qui vise l'identification, l'intensité du caractère identificatoire du discours biographique. Et la biographie, donc, dans l'Antiquité, est prise en tension entre la mimésis, le fait de reproduire la réalité, et puis l'imaginaire. Et le biographe prend, et plus tard que l'assume, toute liberté avec la vérité factuelle, dans la mesure où ce n'est pas un historien, il n'a pas fait un contrat de vérité avec son lecteur. Et lorsque Plutarque veut convaincre son lecteur, il invente, hein, il imagine, il reproduit des dialogues qui n'ont jamais eu lieu, mais qui font partie de son argumentation en termes de voilà, croyez-moi, voilà, vous avez un modèle ou de vertu ou au contraire de position non vertueuse, de démesure qu'il trace dans ses portraits psychologiques. Alors, les frontières de la biographie, là, les fonctions de la biographie sont alors fondamentalement morales. C'est le discours des vertus, la morale. Et prend appui sur l'éthique, la philosophie, qu'est-ce que la vie bonne dans l'Antiquité. Et chaque exemple est une mise à l'épreuve de ses vertus, du bios, hein, de la biographie, qui renvoie au fait de vivre comment, alors, de vivre selon un certain art de vivre. Selon un certain mode de vie. Et les vies parallèles de Plutarque créent donc une mémoire commune gréco-romaine. Il ne s'agit pas pour Plutarque de
de dire finalement, dans l'opposition grec-romain, dans ces vies parallèles, la supériorité des Grecs par rapport aux Romains ou des Romains par rapport aux Grecs, pas du tout. Vous avez effectivement des défauts et des qualités, des vertus et au contraire des taches d'ombre dans les deux figures héroïques, qu'elles soient romaines ou qu'elles soient grecques. Et la tension fondamentalement psychologique se joue entre l'hubris, la démesure, et la diké, c'est-à-dire un idéal d'équilibre et de vertu. Vice et vertu, c'est ce qui va effectivement travailler la biographie antique. Et c'est ce jeu subtil entre la liberté humaine, en quoi justement l'homme est libre de déployer sa vertu, ses qualités, hein, et ce qui est du ressort de ce qu'on appelle en antiquité la tyché, c'est-à-dire la fortune, avec un grand F, c'est-à-dire les dieux, la providence, un certain nombre de phénomènes tragiques ou au contraire positifs qui sont derrière les héros et qui travaillent comme main invisible de l'épanouissement de leur vertu ou au contraire du fait qu'ils sombrent dans leur vice. Alors, voilà ce qui a été et ce qui défile donc, c'est effectivement la défense des vertus contre les ambitieux, les orgueilleux, on défend les justes contre les intempérants. C'est toujours cette diké et hubris, démesure et mesure qui, et l'équilibre qui sont en vis-à-vis et qui animent finalement le discours biographique antique. Alors ensuite, vous avez autre rapport à la vérité, encore plus distendu, parce que si, quand même, quand Plutarque parle de César, de Pompée, il y a quand même une base de vérité historique. Hein, il prend des grands héros dont on connaît un peu le parcours. Avec la christianisation, la biographie va tourner alors à ce qu'on appelle l'hagiographie, la vie des saints. Et là, le rapport à la vérité sera encore plus distendu parce que au Moyen-Âge, on peut dire que la vie des saints, c'était quelque chose qui était un genre extrêmement important, dominant, y compris pour une population qui ne lisait pas, qui ne maîtrisait pas la lecture, mais on lisait pour ces populations qui n'étaient que dans un échange oral ces vies des saints qui étaient là effectivement des exemples. Mais ces vies de saints nous informent en fait très peu sur la vie factuelle des saints. Elles nous donnent très très peu d'éléments. Et elles sont plutôt révélatrices. Alors, c'est un corpus historique tout à fait important quand même que ces hagiographies, même si elles ne disent pas le vrai, parce qu'elles nous informent beaucoup sur les hagiographes. Hein. Donc, c'est surtout la vision du monde, le rapport au monde des hagiographes qui nous est donnée là dans ces hagiographies. Alors, l'organisation textuelle de ces hagiographies, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui est exemplaire. Vous avez en fait, grosso modo, dans ces saints, hein, qui sont marqués par la marque divine, évidemment, le fait que tout est là dans le berceau, tout est donné dès le départ, et que finalement, la progression dans le temps, dans le vieillissement de ces saints, dans la narration, n'est jamais que l'avènement de ce qui était déjà, c'est-à-dire qu'on a là en fait une épiphanie de l'état initial. Les hagiographies sont effectivement fondamentalement téléologiques. Hein, on a là une linéarité et une téléologie, et d'ailleurs la fin, comme le dit Michel de Certeau, répète le commencement, et vous avez là quelque chose qui d'ailleurs a été stigmatisé par un certain Bourdieu plus tard, qui stigmatisait non pas les hagiographies, mais les biographies. Il considérait que, autour du concept d'illusion biographique, que toute biographie ne pouvait être que téléologique et monolinéaire, monochrome et illusoire.
Et donc, il déniait au genre biographique toute, évidemment, scientificité, sauf que, en fait, ce qu'il incriminait chez les biographies est tout à fait juste, mais juste pour les hagiographies, et non pas pour le genre biographique qui, comme on va le voir, a très fortement évolué et n'en est pas resté aux hagiographies. Alors, on retrouve évidemment avec les hagiographies le discours des vertus, mais dans un contexte, dans une atmosphère qui est une atmosphère miraculeuse, merveilleuse, et là, la vie s'efface en fait au profit du portrait, de la figure haute en couleur. Et évidemment, celui qui a été le plus grand succès, vous le savez, au Moyen-Âge, c'est au XIIIe siècle Jacques de Voragine, qui est l'auteur moine dominicain de La Légende Dorée, et qui a eu un énorme succès, et qui est donc le légendaire de tous ces saints qu'il a recueillis et dont il raconte factuellement les lieux où ils sont apparus, etc. Mais évidemment dans des histoires qui sont très très loin de ce qu'on peut appeler la vérité sur le plan factuel. Ce sont autant d'exemplaires dont la légende dorée est un exemple généralisé d'une diversité de saints que rassemble Jacques de Voragine au XIIIe siècle. Alors, évolution des choses avec la sécularisation. Évidemment, le discours chrétien va s'effacer petit à petit et le genre biographique va adopter alors ce qu'on peut appeler le culte des grands hommes. Ou des grandes femmes, enfin à l'époque c'était plutôt les grands hommes, hein. Des grands hommes où le modèle reste comme à l'époque plutarchienne, comme à l'époque des hagiographies, le modèle reste d'identification, il s'agit de s'identifier à un certain nombre de valeurs qu'incarnent ces grands hommes, qui sont des modèles de vie, mais on se rapproche là de nouveau de la vérité factuelle, d'autant que ces grands hommes vont connaître un grand succès 18e, 19e, époque moderne, mais fin de l'époque moderne, mais surtout au 19e siècle. Et au 19e siècle, comme on a une professionnalisation du travail de l'historien, il est certain que se développe, vous le savez, la méthode de critique interne et externe des sources. Celle-ci commence à avoir quelques effets sur la manière dont on aborde la biographie, et le grand homme, là, effectivement, devient plus proche de la réalité factuelle. Ce grand homme, là, on va connaître avec le grand homme, dès le XVIIIe siècle, un déplacement des valeurs, c'est-à-dire que les valeurs dont j'ai parlé de l'époque plutarchienne, qui étaient des valeurs politiques, qui étaient des valeurs de combat, qui étaient des valeurs guerrières, qui étaient des valeurs sur comment gérer un empire, ces valeurs vont se déplacer et vont devenir moins guerrières et plus pacifiques. C'est le cas, quelqu'un s'est très bien exprimé là-dessus, c'est Voltaire, qui en 1735 écrit « Vous savez que chez moi, dit Voltaire, les grands hommes vont les premiers et les héros les derniers. » Donc, vous voyez, il se dissocie des héros plutarchiens avec les grands hommes. « J'appelle grands hommes tous ceux qui ont excellé dans l'utile et dans l'agréable. Les saccageurs de province ne sont que des héros. » Voilà, donc, vous voyez, la mise, hein, on est dans l'Aufklärung, le développement des sciences, des savants, du monde intellectuel et de l'idée que on doit construire un univers de paix. Voltaire l'exprime là par sa dissociation des héros classiques et son apologétique de ce que sont pour lui les grands hommes. Grands hommes qui doivent assurer un avenir perfectible, un avenir de paix, un avenir effectivement on va célébrer les gens qui ont apporté sur le plan scientifique, sur le plan littéraire, davantage dans l'esthétique, les découvertes, dans un bien-être collectif. Et c'est ainsi qu'à la fin du XVIIIe siècle,
fait de la Révolution française en 1791, le Panthéon va abriter qui, eh bien, les grands hommes sur ces valeurs-là. Sur ces valeurs-là. Mais évidemment, ces grands hommes, pour mieux les magnifier et qu'ils soient des modèles, on va élimer, exciser ces grands hommes de leur zone d'ombre. Hein. Donc évidemment, là, la question de la vérité est encore effectivement secondarisée, dans la mesure où on va magnifier ce qui est grand entre eux et ce qui est exemplaire, là aussi. Bon, donc on n'est pas loin, là aussi, de l'historien magistral sur d'autres valeurs. Alors je dirais qu'aujourd'hui, pour arriver à la situation contemporaine, on est à un âge que j'appelle l'âge herméneutique de la biographie, c'est-à-dire que ce qui est de commun par rapport à ce que je viens de dire, c'est que la biographie va toujours consister à une quête identitaire, c'est-à-dire qu'on va chercher dans la lecture de biographie, dans son écriture, une identité qui est la nôtre, qui est collective, qui est individuelle. Cette quête identitaire n'a pas disparu dans le succès du genre, mais cette identité s'est fragmentée, elle s'est pluralisée. On a effectivement plus cette espèce de côté de statut statique, uniforme, de portrait que l'on contemple, mais on a de plus en plus des identités fragmentées, des myriades d'agencements possibles, réalisés, non réalisés, avec des possibles non réalisés. Et dans cette myriade, prend place un concept qui a été celui de la période structuraliste, du sémiologue bien connu Roland Barthes, qui a mis au point ce concept de biographème. Mais justement, le biographème est un concept qui touche la particularité, la singularité, et qui est un trait caractéristique d'un individu, mais qui n'est pas un trait d'union. Donc, effectivement, vous pouvez avoir une série de biographèmes comme ça qui se baladent, qui sont une caractéristique qui peut être anodine. Le chapeau de Deleuze, bon, voilà un biographème qui, on n'imagine pas Deleuze sans son chapeau. Vous avez comme ça un certain nombre de choses qui peuvent apparaître comme des détails insignifiants, mais qui définissent comme ça la singularité d'un individu. Donc, c'est une période où on va au contraire déconstruire ce qu'on appelle ce ciment de certissage qui, avec de briquets de broc de ce dont est fait l'individu, on avait tendance à mettre ensemble un ciment qui tienne l'ensemble de manière homogène. Eh bien, on le casse, ce ciment, pour retrouver justement la beauté de quelques perles, de quelques biographèmes oubliés, invisibilisés dans un cadre trop contraignant. On admet aussi la pluralité des appartenances. Je pense à un modèle, on y reviendra peut-être dans la discussion, je n'ai pas le temps de le développer, mais modèle qu'ont mis en avant Boltanski et Thévenot, qui sont des sociologues et économistes qui ont été des disciples de Bourdieu, mais qui ont été des disciples indisciplinés de Bourdieu parce qu'ils ont contesté assez radicalement la théorie bourdivine. Ce que disent Boltanski et Thévenot, notamment dans leur livre sur la justification, c'est qu'ils montrent que tout un chacun nous appartenons à des cités d'appartenance. Ils en définissent 6, on pourra en définir 7 ou 8, peu importe, mais c'est que, on est nous-mêmes, comme individus, dans des cités différentes qui peuvent être contradictoires, qui peuvent être
qui ont des registres comme ça, plus fort le matin que le soir, bon, la cité domestique, la cité d'échange, la cité inspirée, etc. Bon, ils les définissent et ça me semble tout à fait pertinent. Et puis aussi, à cet âge herméneutique de la biographie, on peut aussi trouver la pluralité dans les deux concepts que met en avant Ricoeur dans « Soi-même comme un autre », qui est la distinction qu'il fait entre l'idem, la même-té, et l'ipséité. Donc effectivement, vous avez là, pour Ricoeur, un noyau de duration qui fait qu'effectivement, on est un tel ou un tel, avec un nom propre, avec un certain nombre de, voilà, on le sait aujourd'hui, de gènes, d'ADN, bon, qui font qu'on a cette singularité, mais cette même-té, cet idem qui fait notre identité ne reste pas identique. Ça change. Et effectivement, confronté au temps qui passe, confronté aux autres et aux échanges, à l'intersubjectivité, aux rencontres, eh bien, on se transforme. Et c'est l'ipséité, c'est l'émergence du soi qui n'est pas le moi, mais qui en est une forme dérivée. Donc, on prend en compte aujourd'hui les variations des représentations et on s'intéresse aussi, j'y reviendrai, au sens posthume des biographies. C'est-à-dire que la biographie ne vaut pas seulement dans la période de où celui qui est biographé, le sujet biographé est vivant. Non, sa figure biographée est souvent l'objet, on y reviendra, d'usage, de pratique, de postérieur, posthume, dont le biographé ne peut rien, puisqu'il n'est plus de ce monde. Bon. Donc, vous avez là, évidemment, dans ce devenir posthume, une hétérochronie, c'est-à-dire des effets d'après-coup qui vont fonctionner et qui montrent qu'il n'y a pas non plus de linéarité sur le plan temporel. Là, effectivement, je dirais que dans cette situation, cela modifie notre rapport à la vérité, à cet âge herméneutique, c'est-à-dire que j'aurais tendance, comme je l'énonçais dès le départ, à dissocier la part de fictionnel, imaginaire, mais qui effectivement a une part de vérité, et puis la part implicite de vérité qui est le factuel. Et là, je dirais qu'il y a quand même une réintroduction d'une certaine forme de désir de vérité, parce que, et je reprendrai d'ailleurs le terme de Philippe Lejeune, qui a surtout travaillé sur l'autobiographie, là il s'agit de biographie, mais de la même manière que Philippe Lejeune a parlé de pacte autobiographique, je parlerai de pacte biographique dans la mesure où celui qui va lire une biographie, acheter une biographie, etc., il est sous-entendu que il va non pas lire quelque chose qui est complètement dans l'imaginaire, mais qui va croiser un vécu, je dirais l'effet de vécu, comme Barthes a pu parler d'effet de réel à propos de l'histoire, je parlerai d'effet de vécu pour la biographie, et ce qui fait d'ailleurs le succès du genre, qui est effectivement lié à un besoin, je dirais, d'authenticité, donc d'une certaine vérité attendue. Dans les biographies, on va voir, ça peut être complexe, hein, ça peut être lié aussi au mensonge, mais à cette authenticité qui est recherchée. Alors, vous avez là donc une posture à l'âge herméneutique, qui est aussi une posture du biographe, qui doit être une posture modeste, c'est-à-dire que contrairement au passé, un biographe aujourd'hui sait que il ne viendra pas à bout de la vérité du sujet biographique, que c'est inaccessible, que
comme disait Michel de Certeau à propos de la possession de Loudun, l'énigme survit. Et donc l'énigme biographique que se pose le biographe sur son sujet biographé survit à quelque recherche que ce soit, aussi érudite fut-elle. Bon. Voilà donc sur le parcours extrêmement rapide sur le plan historique du genre biographique, sur lequel on reviendra sans doute tout à l'heure dans la discussion. Mais maintenant, je passe à ma deuxième partie, un peu plus longue, sur que veut dire la vérité pour un biographe et pour la biographie. Alors là, je crois qu'il faut différencier les choses et bien voir un certain nombre de caractéristiques de la biographie qui induit un certain rapport à la vérité ou non. D'abord, l'affirmation selon laquelle la biographie, plus que tout autre, que tout travail historique, la biographie est tributaire d'une relation biographique. Et là, j'insiste là-dessus et je reprends d'ailleurs le titre d'un livre excellent de Martine Boyer-Weinmann, paru chez Champvallon en 2005, qui s'appelle « La relation biographique », où elle insiste particulièrement sur cette question de la relation biographique entre le biographe et le sujet biographique. Bon, qu'il soit vivant ou décédé, hein, qu'il soit dans un temps extrêmement lointain ou contemporain du biographe. Cette relation biographique a été déjà évoqué et démontré par des gens qui ont réfléchi au genre. Je pense à, j'y reviendrai, à l'écrivain André Mauroy, pour les littéraires, et pour les historiens, à Paul Murray Kendall, qui lui aussi a écrit sur le genre biographique, j'y reviendrai, après l'énorme succès qu'il a connu en France, en tout cas, avec son Louis XI, qui a été un coup d'éclat absolument extraordinaire, un best-seller extraordinaire, qui a lancé la fameuse collection que vous connaissez tous, chez Fayard, des grandes biographies historiques. C'est le succès de Kendall qui a lancé cette collection. On va y revenir. Succès à contre-temps, puisque c'est un succès qu'il a remporté en 1974, dans un moment où la biographie, je vous disais, était du ressort des plumitifs de l'historiette, puisque 1974, c'est la parution de Faire de l'histoire, où vous ne trouverez d'ailleurs pas d'entrée à biographie sur les trois volumes, nouveaux objets, nouveaux problèmes, nouvelles approches de ce livre. Eh bien, en effet, la biographie est une construction narrative du biographe, d'abord premier aspect de cette relation, la construction narrative, et vous avez un déplacement là qui est fait de l'unité factuelle à l'unité d'intrigue. Un déplacement du référent vers la narration. Alors c'est un déplacement qui a été thématisé par un disciple d'Edan White dans le domaine qui a travaillé sur le domaine biographique, qui s'appelle Bruce Nadel, qui a écrit Biography, Fiction, Fact and Form, et qui montre ce déplacement vers la narration, du référent à la narration par la biographie. Et que la signature du biographe, dit-il, est très importante, puisque c'est lui qui fabrique, qui construit, qui déconstruit, qui fait des choix. Et Nadel substitue au statut du vrai celui de l'authenticité. Ce que je vous disais tout à l'heure sur l'authenticité, qui me semble tout à fait majeur sur ce qu'on cherche dans les biographies. Et dans cette authenticité, il place aussi une certaine liberté interprétative du lecteur dans un champ factuel assez variable où le sens reste toujours ouvert à de nouvelles lectures. Et donc, relation biographique, là, pas seulement biographe et biographé, mais aussi horizon d'attente, les lecteurs et leur liberté d'interprétation. Eh bien, Martine Boyer-Weinmann, dans son livre « La relation biographique », considère qu'il, je la cite, « qu'il n'y a pas plus pauvre réduction du geste critique que de rabattre la vérité ontologique du trajet existentiel ou littéraire sur la vérité factuelle ». Donc, elle stigmatise là
le fait de réduire la question de la vérité dans la biographie sur simplement le fait est-ce que ça correspond à un fait, ce qu'on raconte. Bon, ça, pour elle, c'est effectivement un réductionnisme extrêmement pauvre. Et, à contrario, elle montre que la réussite d'un certain nombre de biographies sur lesquelles elle s'appuie, c'est-à-dire la biographie, par exemple, de Cocteau, écrite par Claude Arnault, parmi d'autres exemples, qui tient sa force dans le transport du biographe dans la figure biographée. Et là, effectivement, c'est très intéressant parce que dit Arnault, seulement la biographie qu'il fait de Cocteau, mais dans un texte plus théorique, il s'explique en disant que le biographe peut être comparable à l'anthropophage, c'est-à-dire que le biographe va manger. Alors, c'est peut-être pour ça, effectivement, qu'on peut être victime du virus biographique, c'est-à-dire qu'on a besoin de... On a besoin de dévorer finalement le sujet biographé et cela passe par quelque chose qui est plus fort encore que l'empathie, qui passe quasiment par une dépossession de soi dans le transport vers l'autre. Je cite Claude Arnault qui pousse sa métaphore jusqu'au bout. Je mange de la langue et de la moelle, du cœur et de la cervelle. Après quelques mois de ce festin, j'en sais déjà plus sur lui, tant que le sujet biographique, que sur ceux et celles avec qui j'ai vécu. Donc il y a là, vous voyez, un transport, un transfert qui fait que, bon, j'ai pu connaître effectivement ce caractère d'anthropophagie, c'est-à-dire que à force de croiser toute une série d'informations, de lectures et de cette phase obsessionnelle qu'induit la biographie, parce qu'une biographie ça se fait pas en deux minutes sur un comptoir, eh bien vous êtes effectivement quasiment en dépossession de soi, et vous en savez beaucoup beaucoup plus que des proches et pour avoir écrit la biographie de Pierre Nora, souvent Pierre Nora, qui a beaucoup d'humour, me dit ou dit aux gens qui sont autour de lui il me connaît mieux que moi. De toute façon, vous pouvez avoir confiance, il en sait plus que moi puisqu'il a écrit ma biographie. Boyer-Weinmann ou pour Nadel, la vérité de la biographie va être à rechercher dans une poétique de la biographie, de son processus de fabrication. C'est le processus de fabrication qui va donner l'unité et une certaine vérité de la biographie. Par exemple, pour Nadel et pour Weinmann, elle va voir, par exemple, la vérité de la biographie de Claude Arnault sur Cocteau, dans la mesure où Arnault met en avant sur Cocteau le caractère de caméléonesque, hein, le côté caméléon de Cocteau. Et là, il va toucher une vérité du personnage. De la même manière, elle va mettre en place, parce que son livre est beaucoup, il y a énormément de parties sur Malraux, sur Malraux, ce qu'elle va mettre en avant et ce qu'il faut mettre en avant, c'est la notion de métamorphose. Et vous avez là, effectivement, sur le geste de la métamorphose, quelque chose qui convient à la singularité même du personnage André Malraux. Alors, lui qui a été le plus loin dans la notion de relation biographique, et c'est par hasard, il est mort il n'y a pas longtemps, mais qu'il est à l'origine d'une belle collection qui a une centaine de titres chez Gallimard, c'est un psychanalyste. Et ce psychanalyste, c'est celui qu'on appelle JB chez Gallimard, c'est-à-dire Jean-Bertrand Pontalis. Et en effet, Pontalis a lancé une collection qui n'existe plus, puisqu'elle est morte avec la mort de Pontalis, mais elle a donné une centaine de titres. Elle est née en 1990, date n'est pas
hasardeuse, ce retour en faveur de la biographie qui devient un genre expérimental. Et cette collection s'appelle « L'un et l'autre ». L'un et l'autre. C'est-à-dire la mise en rapport explicite d'un auteur, d'un biographe, avec son héros secret, une évocation extrêmement subjective, c'est ce que demande Contalis à ses auteurs, d'où d'ailleurs le caractère hyper subjectif fait que la plupart des auteurs de cette collection, il y a quelques historiens, mais sont surtout des écrivains, des romanciers, bon, mais il y a quelques historiens quand même, c'est un mélange de factuel et de fictionnel, l'idée étant de travailler sur l'inconscient, donc sur l'imaginaire, sur le symbolique, sur le fantasme, et vous avez là effectivement un postulat selon lequel il y a du moi dans l'autre et de l'autre dans le moi, et on pourrait effectivement appeler l'un et l'autre, l'un est l'autre, EST. Pas tout à fait, mais presque. Vous voyez, on est dans cette hybridation des deux. Dans la présentation de la collection, c'est très clair, cet objectif, je la cite parce que c'est un très beau texte de Contalis, qui est sur tous les livres de cette collection, des vies, mais telles que la mémoire les invente, que notre imagination les recrée, qu'une passion les anime, des récits subjectifs à mille lieues de la biographie traditionnelle. L'un et l'autre, l'auteur et son héros secret, le peintre et son modèle, entre eux, un lien intime et fort, entre le portrait d'un autre et l'autoportrait, où placer la frontière, point d'interrogation. Les uns et les autres, aussi bien ceux qui ont occupé avec éclat le devant de la scène que ceux qui ne sont présents que sur notre scène intérieure, personnes ou lieux, visages oubliés, noms effacés, profils perdus. Donc là aussi, cette collection va effectivement mettre en scène des, non pas forcément des héros célébrés par la collectivité qui ont une visibilité dans l'histoire, etc., mais des héros intérieurs, des invisibles qui peuvent effectivement donner lieu à ces volumes de la collection L'un et l'autre. J'en citerai un. Cette collection est très riche, je n'ai pas le temps de les déployer. Je citerai un exemple qui est assez étonnant, qui a été écrit d'ailleurs par quelqu'un qui est plutôt un épistémologue, un logicien, quelqu'un qui est dans les sciences dures, qui s'appelle Antoine Billot, et qui a écrit pour Pontalis, dans la collection L'un et l'autre, en 2003, un livre qui s'appelle « Le désarroi » de l'élève, non pas Turles, mais de l'élève Wittgenstein. Bon. Et très significatif de cette collection, Billot part d'un fait, attesté, avec, il y a là d'ailleurs une photo qui est en couverture, c'est que le grand philosophe juif qui a été Wittgenstein a eu gamin pour ami un certain Adolf Hitler. Et non seulement ils ont copiné, ils ont été très très amis, mais Hitler a même sauvé Wittgenstein, sauvé un juif, ça va être la première fois que ça lui arrivait, de la noyade, car son petit copain avait failli se noyer et il est sauvé in extremis par Hitler. Et très amis, comme vous le savez, Hitler se voyait. Se destinait, protégé par les dieux, à une grande vie d'artiste et de peintre. Et il commence à gribouiller et il montre ses petites peintures, ses esquisses à Wittgenstein en disant « Bon alors, est-ce que je vais préparer, est-ce que je vais devenir un grand peintre ?» un Raphaël ou un Piero della Francesca. Et là-dessus, Wittgenstein lui dit « Non, tu sais, c'est pas terrible hein, ce que tu fais, il y a mieux, c'est pas vraiment ton truc. » Et donc ça, c'est une réalité. Et ensuite, Billot imagine, et là on est dans
on est dans l'imaginaire. Il imagine Wittgenstein au soir de sa vie, ayant réussi sa vie de philosophe, etc., avec un disciple philosophe jeune à qui il confie, avant de mourir, son désarroi, son sujet d'angoisse, son grand remords, son grand regret, qui est tout simplement de ne pas avoir dit à Hitler qu'il avait devant lui une carrière de peintre et qu'il aurait pu comme ça éviter le génocide. Donc vous voyez comment ici on peut articuler l'imaginaire et le réel et la vérité. Alors, l'autre caractéristique de la biographie, ce pourquoi d'ailleurs ça a été un genre impur, ça a été un genre banni, honni, méprisé, c'est que c'est un genre entre le roman, entre la fiction et la scientificité. Entre histoire et fiction, entre science et fiction. Alors vous me direz, l'histoire, ce que disait déjà Michel de Certeau, est déjà dans cette tension. L'histoire comme discipline, elle est entre la science et la fiction. Pour la biographie, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai pour les raisons déjà que j'ai données, puis celles que je vais continuer à donner. Il y a effectivement cette tension fondamentale entre les deux. La biographie se définit en effet comme un récit dans lequel le narrateur est absent de l'histoire qu'il raconte. C'est un discours, si on prend les catégories sémiologiques de Gérard Genette, c'est un discours hétérodiégétique. Au contraire de l'autobiographie, c'est ce qui distingue la biographie de l'autobiographie, c'est-à-dire que vous avez d'un côté un discours autodiégétique, c'est-à-dire le narrateur et l'auteur, et un discours hétérodiégétique où le narrateur est absent de l'histoire qu'il raconte. Bon, cette distinction étant rappelée, et rappelée que la biographie s'écrit donc à la troisième personne, en fait, si vous voulez, la biographie ne s'écrit pas non plus au nom d'une extériorité totale par rapport au sujet biographique. Il y a là des connexions, des tensions fortes que j'évoquais tout à l'heure dans la relation biographique, biographe et biographé, au point d'ailleurs que si vous lisez des biographies, vous verrez très souvent une explicitation au départ de la biographie de ce qui a motivé le biographe. Alors, je ne dis pas toujours dans des travaux historiques, et qui correspondent un peu à ce que j'appelle un peu le pacte biographique. Le biographe se pose, pourquoi j'ai écrit ça, quelle relation j'ai avec le sujet biographique, est-ce que je le connais, connais pas, pourquoi je m'intéresse à lui, etc. Philippe Lejeune, qui a beaucoup réfléchi à la question du bios, enfin, surtout sur l'autobiographie, mais a mis en évidence deux contradictions du biographe, qui me semblent justes. D'abord, première contradiction, le biographe est forcément doit être érudit, doit faire le tour de ce qu'on peut connaître sur le sujet biographique. Mais cette érudition, ce n'est pas l'objet fondamental de sa recherche, c'est un moyen. C'est-à-dire que, nous dit, à juste titre, je pense, Philippe Lejeune, dans « Je est un autre », que son érudition tend à masquer son inévitable partialité et les fondements idéologiques de son projet. Pourquoi écrit-on une bio ? Dit Philippe Lejeune. Jamais sans doute personne n'a écrit la vie d'un autre homme dans le pur but de la connaissance. Alors, vous voyez, la finalité là, de savoir pur érudit, voilà, c'est pas ça qui est dans l'horizon, dans le collimateur, du biographe. Deuxième contradiction du biographe, vouloir écrire la vie de quelqu'un, d'un individu, présuppose, et là ça passe par l'érudition, une maîtrise totale de son parcours. Or,
nous dit à juste titre Philippe Lejeune. Or, les textes des biographes, s'ils sont fort bien bouclés au niveau de leur discours, sont en général immensément lacunaires pour ce qui est de l'information. Évidemment, là, le caractère lacunaire et de l'information est inévitable. Inévitable, il suffit de penser à soi-même je veux dire, on a même nous-mêmes une connaissance totalement lacunaire qui change toujours avec des zones d'opacité, des choses refoulées, etc. On peut dire même qu'une psychanalyse longue ne parviendra jamais à une transparence, à une connaissance exhaustive de l'individu. Donc, évidemment, un biographe, aussi proche soit-il du sujet biographique, ne pourra jamais avoir cette espèce de maîtrise du sujet biographe. Alors, comment fait-il le biographe souvent? Eh bien, il pratique ce qu'on appelle la technique du roux. C'est une technique culinaire pour faire des béchamels, c'est tout à fait fondamental. Vous prenez du beurre, vous le faites revenir à la poêle, vous versez de la farine, mais petit à petit pour que ça ne fasse pas de grumeaux. Et vous allez avoir, si vous travaillez bien, si vous mettez le feu au bon niveau, vous allez avoir une béchamel sans grumeaux, lisse, très belle et très bonne. C'est ce que fait en général le biographe en faisant ce qu'on peut appeler du psychologisme. C'est-à-dire qu'il va colmater les trous sur le plan des connaissances, du savoir. Mais pour faire prendre la sauce, il va donner l'illusion de cette totalité qu'il n'a pas en lissant la personne par cette technique du psychologisme qui est une tendance assez pratiquée par les biographes. Bon. Là encore, le sémiologue distingue, hein, classifie et évidemment l'hétérodiégétique, je disais l'autodiégétique, mais il faut ne pas absolutiser les coupures, les distinctions des sémiologues. Certes, comme le dit Philippe Lejeune, le modèle biographique est bien la vie de l'homme biographé, telle qu'elle a été. Bon. À ce titre, elle vise une ressemblance, effectivement, tant au plan de l'exactitude de l'information que de la fidélité à sa signification. Mais la ressemblance visée n'est jamais qu'un horizon de travail, une intentionnalité, utiliser d'ailleurs le concept de Ricoeur dans La mémoire, l'histoire, l'oubli, enfin déjà dans le temps hérésique, qui est le concept de représentance, qui anime l'historien, c'est-à-dire voilà, il est animé vers, c'est pas une représentation, c'est le néologisme, la représentance tient à dire que voilà, c'est l'intentionnalité de biographe de retrouver la vie telle qu'elle a été ou le passé tel qu'il s'est passé, hein, c'est le vieille thématique de Ranke. Bon. À cet égard, on voit bien l'existence d'un pacte biographique auquel l'auteur s'engage par rapport à son lecteur. Mais comme on l'a vu, la biographie relève d'une déconstruction aussi et peut être lue dans ses paratextes. Alors, ce genre biographique était, je le disais, entre deux pôles, navigue entre deux pôles, fiction et vérité historique. Vous avez en effet deux versants. Vous avez le premier, aussi important l'un que l'autre. Le premier versant, c'est la forme artistique, quelque chose que les historiens et les littéraires, les romanciers ont mis en avant quand ils réfléchissaient au genre biographique. André Mauroy nous dit « La réalité des personnages de la biographie ne les empêche pas d'être des sujets d'œuvres d'art. » Donc là, on met la biographie du côté de l'œuvre d'art, mais un art qui suit certaines règles. Comme le disait Virginia Woolf, c'est un art ligoté, donc qui effectivement doit répondre à certains canons.
Quels sont ces canons? Alors, André Maurois, on est, il y a longtemps, hein, c'est en 1928, il définit ces règles qu'on peut déroger, hein, qu'on peut transgresser. C'est un ordre chronologique, ne pas trop s'excentrer du sujet biographé, hein, on peut aller un petit peu naviguer autour, mais pas trop. Et puis la quête du détail signifiant. Mais pour Murray Kendall, historien américain, là aussi, la biographie est une œuvre d'art. Comme le romancier, dit-il, peut le peintre, le biographe est impliqué, il modèle son matériau dans le but de créer des effets. Donc il y a là un effet esthétique, artistique, qui est recherché. Hein, et c'est un historien qui parle. Deuxième versant, le versant de véridicité. André Mauroy insiste aussi beaucoup sur ce principe de véridicité en disant, et les romanciers disent, mais l'importance, par exemple, dans une biographie, des documents originaux, l'importance des journaux intimes, l'importance de la correspondance, de tout ce qui est document au plus proche du sujet biographique. Et là, on a un rapport à la vérité, nous dit Mauroy. Publier une biographie, l'annoncer comme biographie, non comme un roman, c'est annoncer des faits véridiques. Et un biographe doit à son lecteur la vérité avant tout. C'est un romancier qui parle, hein, c'est André Mauroy. Bon. Paul Murray Kendall voit aussi évidemment l'horizon de véridicité et nous dit ceci, la définition donc, du biographe exclut des ouvrages situés aux deux extrémités du spectre biographique. La biographie romancée simule la vie mais ne respecte pas les matériaux dont elle dispose, tandis que la biographie gorgée de faits, issue de l'école bavarde de l'érudition, compilation, adore les matériaux mais ne simule pas la vie. Et entre les deux s'étend l'impossible artisanat de la vraie biographie. Alors, vous aurez noté l'oxymore utilisé là par l'historien Paul Murray Kendall, bel oxymore qu'il utilise, l'impossible artisanat de la vraie biographie. Donc c'est ceci pour dire que l'horizon de biographie reste un horizon, il n'est jamais totalement réalisé, ce qui est d'ailleurs à la fois un inachèvement inéluctable et en même temps quelque chose de très riche, parce que, comme vous le savez, jamais une biographie n'est une biographie totale et définitive. Chaque biographie est reprise par les générations à venir, pose des questions nouvelles, renouvelle le champ, et donc jamais fermeture, clôture du sens. C'est un horizon herméneutique toujours ouvert. Donc la biographie est en fait aussi entre des vies qui peuvent être des vies imaginaires ou des morts imaginaires. Et là, je citerai Marcel Schaub, fin du 19e siècle, qui est mort en 1905 et qui a exploré la biographie dans le sens de l'art. Hein, j'avais dit qu'une des caractéristiques, c'était ces tensions entre art et vérité factuelle. Eh bien, lui, il se place du côté de l'art. Et il a publié un livre qui est un livre de référence important en 1896 qui s'appelle Vies imaginaires et dans lequel il oppose d'ailleurs radicalement, pas à la manière de Plutarque, mais un peu, l'histoire et la biographie. Pour lui, l'histoire relève d'une discipline généralisatrice qui touche les collectifs, alors que la biographie, elle est caractérisée par sa capacité à individuer, à traquer l'infime, à traquer le minuscule, à traquer, on pourrait dire là, le biographème, en faisant de l'anachronisme, évidemment. Donc il oppose les deux et d'ailleurs il dit, l'erreur des biographes, c'est de se croire des hommes de science. Et ils ont tout à fait tort. D'être à l'école des historiens. Au contraire, ils doivent être dans la
la relation de cette pure singularité. Et Chauve est radical, puisqu'il va même critiquer Plutarque en disant, mais Plutarque essaye de trouver des parallèles, donc il essaye déjà de généraliser des choses entre Romains et Grecs. Non, comme si, dit-il, deux hommes proprement décrits en tous leurs détails pouvaient se ressembler. Pour lui, il n'y a pas de ressemblance. Et au contraire, on va détecter dans les biographies, les bons biographes sont ceux qui révèlent des points de détail qui apparaissent comme insignifiants, mais qui sont signifiants. Alors, on cite par exemple plein, mais par exemple, un des points d'insignifiance devenu signifiant, c'est chez Aubrey, lorsque il écrit son Érasme, le fait que Érasme n'aimait pas le poisson, alors qu'il était né d'une, dit-il, ville poissonnière. Donc, voilà, ce genre de détail très signifiant, alors qu'il apparaît au niveau des généralités comme devant être jeté dans la poubelle. Continuateur contemporain de Marcel Chauve, vous avez un psychanalyste aussi très fin qui a écrit un livre dont le titre connote évidemment avec Vie imaginaire, puisque le titre de son livre en 2003, un livre contemporain paru chez Grasset, c'est Morts imaginaires. Et Michel Schneider, ce psychanalyste, évoque dans ce livre les derniers mots des écrivains dont il parle dans ces morts imaginaires, à partir des témoignages, mais surtout à partir de leur œuvre. C'est-à-dire qu'il lit les œuvres des romanciers dont il parle de manière biographique, à partir de Thanatos, à partir du point de vérité pour lui, qu'est leur rapport à la mort qu'il lit dans leur roman. Donc, à partir d'une série de thanatographies, il défend la biographie comme roman vrai. Je le cite, « Toute biographie est un roman, c'est pourquoi j'en dévore autant, mais les biographies d'écrivains sont les seules que je lise et parfois, je l'avoue de certains, je ne guette que la défaillance du langage à l'instant de la fin. Bon. » C'est comme ça que Michel Schneider lit les Pensées de Pascal comme un livre étranglé par l'horreur de la mort, et il pense là trouver l'équation singulière de Pascal qui aurait substitué la maladie comme écran à l'angoisse de mort et qui expliquerait bon, pas mal de choses des Pensées de Pascal. Alors, cette relation proche de la fiction, proche de l'imaginaire, on fait que, je n'ai pas le temps de m'y étendre, mais on y reviendra peut-être, que beaucoup d'écrivains, et pas des moindres, aujourd'hui qui sont même au sommet du Parnasse littéraire des romanciers français aujourd'hui, se sont attelés à des biographies tout à fait particulières. Je pense entre autres à évidemment celui que je considère comme un des plus grands de nos romanciers, qui est Jean Echenoz, qui s'est attelé à trois biographies tout à fait singulières, particulières. Je n'ai pas le temps de développer. Mais c'est le cas aussi de Pascal Quignard, c'est le cas aussi d'Emmanuel Carrère, c'est le cas aussi de Patrick Deville. Et c'est un grand spécialiste de la littérature française qui a même publié une anthologie des vies imaginaires de Plutarque à Michon, qui est Alexandre Geffen, qui a aussi beaucoup travaillé sur la question du bios et de la biographie et de l'autobiographie. Et puis, ça a été jusqu'à même l'ironisation du genre, hein, je pense à un autre de ces écrivains avant-gardistes, qui est Éric Chevillard, qui a écrit une biographie très curieuse avec Dino Egger en 2011, qui est la biographie d'un homme qui aurait pu exister, qui n'a jamais existé. Et d'ailleurs, alors, son livre est assez drôle parce qu'il met en scène un biographe qui s'appelle Moindre. Déjà, le nom propre du biographe en dit assez long sur la biographie traditionnelle et ce qu'elle induit, Albert Moindre, qui écrit la biographie et
qui, évidemment, ne peut pas trouver de traces biographiques de son sujet biographé, parce que sinon il aurait existé. Donc, s'il trouve la moindre trace, vous voyez, c'est le contraire. Il renverse le schéma du biographe qui fait de sa chair, effectivement, toute trace biographique. Là, au contraire, il faut surtout qu'il n'en trouve pas. Et donc, Chevillard fait un roman là-dessus, sur qu'est-ce qu'une vie qui n'aurait pas été vécue. Bon, évidemment, c'est un paradoxe qui mène là un livre plutôt drôle. Et puis, pour complexifier les choses aussi, il y a le statut de ce que Aragon a appelé le mentir vrai. M'a été suggestif un livre récent d'un philosophe français qui a écrit d'ailleurs son premier roman cet automne, qui est François Nudelman, et qui a écrit en 2015, récemment, le génie du mensonge. Le génie du mensonge. Il a montré qu'avec le mensonge, on pouvait renouveler le regard sur la biographie et l'autobiographie, et il va souligner là l'envers, finalement, de ce qu'on entend par vérité, et montrer l'efficace du mensonge. Alors, non pas pour trouver l'objectif de Nudelman, n'est pas de trouver des contradictions et de montrer qu'on ne dit pas le vrai et que voilà, il y a des mensonges et qu'il faut stigmatiser ces désaccords entre la réalité et ce qui est écrit par les sujets de biographie, pas du tout, mais le mensonge comme clé de lecture qui donne accès à la complexité et d'un certain nombre de figures biographiques. Il prend quelques exemples de son livre et des exemples d'auteurs assez connus. Par exemple, Rousseau. Rousseau est connu pour un certain nombre de chefs-d'œuvre, dont l'un d'entre eux est l'Émile, qui effectivement est un traité d'éducation qui est donné comme modèle, qui a joué un rôle de modèle pendant longtemps. Nudelman nous montre que ce modèle de bonne éducation est un total mensonge par rapport à la vie elle-même de Rousseau, qui n'a cessé d'abandonner ses propres enfants. Bon. Alors, ce n'est pas pour stigmatiser Rousseau, disons, un méchant garçon qui a abandonné ses enfants et qui essaie de le cacher. C'est pas ça qu'essaie de pointer Nudelman. C'est pas en termes de compensation, mais qu'il y a là une très belle théorie qui est d'autant plus forte, d'autant plus puissante, qu'elle se fonde sur un déni, qui est le déni dans la pratique de l'éducation de ses propres enfants. Voilà. Mais qui l'a mobilisé complètement et qui a trouvé ce chef-d'œuvre. Et ça n'enlève rien à sa démonstration. Autre contradiction soulevée par Nudelman, contradiction productrice, la créatrice. Exemple que je connais bien, puisque j'ai écrit sa biographie, c'est Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, connu comme le penseur des grands espaces, des mille plateaux, comme le dit le titre du tome 2 de Capitalisme et schizophrénie, qui portait vers une pensée des concepts nomades, des grands espaces, d'où d'ailleurs son succès tout à fait spectaculaire aux États-Unis, où effectivement les étudiants américains se reconnaissent dans la littérature de Deleuze par effectivement l'immensité du continent américain. Et donc, le philosophe des voyages, le philosophe des confinements. Or, Deleuze détestait les voyages, détestait bouger, détestait les colloques, détestait les conversations,
peut se définir par cet oxymore du voyageur immobile. Donc, vous voyez, là aussi, vous avez là une puissance du faux qui dit le vrai, d'une certaine manière. On peut retrouver cela dans la fin de Foucault, qui a consacré ses derniers séminaires du début des années 80. Je cite le titre de ses séminaires au Collège de France, « Le courage de la vérité ». Eh bien, au même moment où Foucault déployait des choses tout à fait innovantes sur la question de la vérité, où il clamait le courage de dire le vrai, en même temps, il cachait, tout en se sachant condamné, il savait de quoi il était atteint, première génération, qui est atteint du sida, maladie dont il va mourir en 84, et au moment où il meurt, d'ailleurs, la rumeur court un peu, elle est tout de suite étouffée, car il ne se dit pas encore de manière publique qu'on puisse mourir du sida, et c'est un secret et qui aura été gardé jusqu'au bout. Alors, du non-vrai à la vérité, vous avez aussi un certain nombre d'expériences qui sont intéressantes, et je pense notamment aux livres nombreux, mais il y en a un là qui nous intéresse particulièrement sur la question de la vérité, au livre de Pierre Bayard. Bayard a écrit beaucoup de livres sur, je sais pas, comment parler d'un livre qu'on n'a pas lu, comment, etc. Et il a écrit, entre autres, un livre qui nous intéresse aujourd'hui sur la question du bios et du vrai, en 2020, chez Minuit, comment parler des faits qui ne se sont pas produits. Et il va distinguer plusieurs types de vérités, la vérité subjective, la vérité littéraire, la vérité historique, la vérité scientifique, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, à propos de la biographie, il prend comme figure, cas de figure, le livre de Freud sur Léonard de Vinci. Freud écrit sur Léonard de Vinci, souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, et des études de Freud, et Freud reconstitue ce qu'a été la vie du peintre Léonard de Vinci, insistant sur son enfance, sur sa vie sentimentale, sexuelle, présumée atone, inexistante. Et à partir de ce récit, Freud construit sa théorie de la sublimation, en disant, voilà, il a, sur le plan de sa vie affectivo-sexuelle, une vie plutôt de frustration, mais qu'il va sublimer dans la création artistique. Voilà, donc il va donner cette théorie de la sublimation, qui effectivement a fait école dans les diverses écoles de la diaspora freudienne. Seulement, depuis Freud, ce que l'on sait maintenant, ça a même donné lieu à un film il n'y a pas si longtemps sur Léonard de Vinci, c'est que la théorie freudienne sur Léonard de Vinci est étayée sur des choses fausses. Parce que la vie sexuelle de Léonard de Vinci a été au contraire extrêmement épanouie et débridée. Donc, qu'il l'ait sublimé dans son œuvre, non, puisqu'il était particulièrement épanoui dans sa vie affective et sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce qu'en tire Pierre Bayard? Eh bien, c'est que Freud a transformé Léonard de Vinci en exemplum, c'est-à-dire en personnage conceptuel, mais sur une base factuelle erronée. Ça n'en dévalue pas pour autant sa théorie de la sublimation, qui reste efficace, effective et intéressante, mais décalée par rapport à la factuelle. Et puis, j'ajouterai un dernier point sur le caractère aujourd'hui nouveau d'abord de la biographie et de la question du vrai, c'est l'indéfini du vrai.
dans le regard, là, qui me semble forcément indéfini, nous ne le maîtrisons pas puisque nous sommes confrontés à la finitude et donc à disparaître, c'est que, effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, les figures biographiques ont un devenir posthume. Et que, voilà, il y a du vrai qui ressort de questions nouvelles qui sont à venir. Et qui déplace la question, qui induit le contradictoire, le multiple. Et je pense là à une collection qui n'est plus non plus, mais qui a innové dans ce domaine en ouvrant sur la part posthume des figures biographées et des usages, et en systématisant les usages des figures biographées. C'est la collection qu'avait lancée aux sciences, presse de sciences politiques notre ami historien Nicolas Offenstadt, et collection qui portait le beau nom au pluriel de facettes, facettes au pluriel. Terme qui convient tout à fait à sa collection et à l'abord actuel qu'on peut avoir de la biographie. C'est-à-dire effectivement, Nicolas Offenstadt, dans les biographies qu'il va publier dans sa collection, très différent de Ho Chi Minh, Valdécrochet, en passant par Maurras et Marc Bloch, voilà, et Descartes, voilà, un certain nombre de titres de sa collection, intègre la mémoire collective, les commémorations, qui tous participent du vivant du sujet biographique, mais surtout de manière posthume, à la construction biographique. Une construction indéfinie dans le temps, jusqu'au moment où on se pose la question de ce sujet biographique. Ces livres étaient conçus d'ailleurs de manière double, c'est-à-dire vous aviez la partie factuelle dans cette première partie, une deuxième partie qui était les usages de, bon, le personnage qui en général avait disparu. Effectivement, j'ai pas besoin de développer, vous le connaissez tous, mais on peut prendre une des icônes nationales qui a été Jeanne d'Arc. Et quand on voit ce qu'a fait d'ailleurs Michel Vinocq dans Les lieux de mémoire, aborder Jeanne d'Arc, on peut l'aborder comme le fait Colette Beaune en médiéviste, et donc elle fait un travail érudit sur la vie attestée à partir de son érudition de médiéviste de Jeanne d'Arc. Mais on peut l'aborder de manière différente, comme le fait Vinocq dans Les lieux de mémoire, c'est-à-dire voilà, les Jeanne d'Arc dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Et là, on voit effectivement une Jeanne aux vérités très contrastées, aux effets de vérité très contrastés entre celle qui est brûlée par l'Église et celle qui est canonisée ensuite en 1920 par la même Église, celle qui est républicaine avec Gambetta, mais qui est d'extrême droite avec Le Pen, pour bouter les Anglais dehors et qui sont devenus avec Le Pen les Arabes. Qui est récupéré par Vichy contre les Anglais, mais qui est revendiqué aussi par le général de Gaulle, qui est confisqué par le Rassemblement national. Donc, vous voyez un peu les usages, ou magnifié aussi avant qu'il soit élu par Macron, sur des valeurs européennes. Donc, voilà un bel exemple, et il y en a plein d'autres, qui, vous voyez, donne lieu à un conflit d'interprétation, à des usages extrêmement contrastés. Et pour conclure, avant d'ouvrir à vos questions, je terminerai sur la question de la vérité, par cette question évidemment qui nous taraude tous en histoire. Faut-il pour autant avoir une conception relativiste de la vérité à propos de la biographie, hein, vérité en deçà des Pyrénées et pas au-delà? Je dirais non. On reprendra, à mon avis, sur la biographie, le distinguo que fait Ricoeur lorsqu'il définit l'opération historiographique dans La mémoire, l'histoire, l'oubli, où il différencie trois niveaux que je rappelle, que vous connaissez sans doute,
qui sont, un, le niveau infra-significatif, qui est le stade documentaire archivistique, qui correspond là aux critères popériens de la réfutabilité. Deuxième niveau, le stade de l'expliquer-comprendre, qui relève d'un autre régime de vérité, qui est une vérité argumentative, cette fois-ci, liée à des chaînes d'explication. Et enfin, le troisième point, qui est le stade sursignifiant ou suprasignifiant de l'écriture biographique, et qui relève d'une autre vérité que je propose d'appeler la vérité tensive. Merci.